my veins i've been driving this train years in this lane there's no stopping this flame cause i came to the game and i changed it to play how i like rearranged it to my own domain yeah, yeah i got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stop never changed all the squad yeah, here to play yeah, and i've got something yeah. to say yeah i work hard each and every day i get lost in the words i say Salut tout le monde, c'est Pox. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui me tient particulièrement à cœur parce qu'on va aborder un concept qui a changé complètement ma manière de voir le jeu, qui a changé complètement ma manière de jouer en micro-limite, en un peu plus haute limite, contre certains types de profils, etc. Et en fait ça va vous permettre d'arrêter de vous mettre dans des situations où vous pensez par exemple que vous avez un bon bluff, que vous avez un bon combo euh, par rapport à la range perçue dans telle situation parce que vous avez check race, tel spot, machin. Et vous vous êtes retrouvé à vous faire call par un, un, un fiche qui vous croit pas et qui colle une quatrième paire sur un board absolument horrible pour sa main. Et vous allez vous mettre à tilter et vous dire Ouais, je joue bien, mais je comprends pas, ça gagne pas, je peux pas gagner en micro limite c'est impossible, les joueurs font n'importe quoi bah là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va détailler un petit peu comment est-ce que vous pouvez réfléchir, comment est-ce que vous pouvez moduler un petit peu et utiliser les compétences que vous avez en fonction de la situation afin de maximiser vos gains et afin d'être largement rentable contre certains types de profils, et particulièrement en micro-limite. Tout le monde pense que... En tout cas, beaucoup de gens pensent que ces joueurs sont imprévisibles et que c'est impossible de gagner. En réalité, il y a des petites techniques vraiment très simples qui permettent de gagner à peu près à tous les coups contre ces profils, et qui vous permettent d'arrêter de vous mettre dans des situations beaucoup trop complexes contre les mauvaises personnes. C'est parti alors, pour commencer, je pense que c'est un secret pour personne, mais il faut bien comprendre que la base du poker, au-delà de la technique, de comprendre les situations, des spots, de quelle main avoir dans quelle situation et tout, la base du jeu, c'est vraiment de s'adapter. Si vous ne vous adaptez pas au profil contre qui vous jouez, vous n'allez jamais être rentable au poker. Donc, on va expliquer un petit peu pourquoi est-ce que ça peut être un problème de ne pas s'adapter et comment est-ce qu'on peut s'adapter. Donc, on commence. Je vais vous parler de trois principaux leaks, c'est-à-dire des, des failles que beaucoup de joueurs ont dans leur jeu, et moi j'étais le premier à avoir ces failles-là il, il y a pas si longtemps que ça. En fait, c'est quand on va, par exemple, pour commencer avec le premier leak, trop intellectualiser le jeu. Parfois on va se retrouver dans des situations où on va beaucoup trop réfléchir, on va beaucoup trop se mindfuck le cerveau, alors que c'est complètement contre-productif contre, par exemple, un profil qui ne réfléchit pas du tout. Vous n'allez pas commencer à, à réfléchir à un raisonnement super complexe de qu'est-ce que j'ai dans ma range à la river, si je check ce flop, que je debarrel à la turn, qu'est-ce qu'il me reste river, machin. En fait, parfois, c'est inutile de trop réfléchir. Et il faut juste accepter, ok, vous avez bossé des heures et des heures votre technique, mais ça sert à rien dans cette situation. Ça va servir plus tard, ça va servir pour le late game, ça va servir contre des bons adversaires. Mais très souvent, et la plupart du temps, vous jouez contre des profils qui sont pas bons, et ça ne sert à rien de réfléchir contre ces personnes-là. Donc le premier leak, qu'on identifie vraiment beaucoup chez les semi-bons joueurs de micro-limite et de moyenne-limite, ça va être de trop intellectualiser le jeu. La deuxième chose, ça va être de faire une projection technique. C'est-à-dire, une projection technique, ça va être, quand vous êtes dans un coup, quand vous jouez contre quelqu'un, vous allez automatiquement, en fait, euh, placer, en fait, projeter votre niveau technique sur votre adversaire. Donc vous allez estimer, vous allez souvent partir du postulat que la personne contre qui vous jouez réfléchit un peu comme vous, vous jouez. Donc il va avoir certainement dans une range, vous, vous allez le mettre sur une range, donc vous allez estimer, bon bah voilà, dans sa range de 3 bêtes en small blind, il y a, je sais pas, roi valet suité, il n'y a certainement pas 8-4 off, par exemple. Cependant, contre certains profils, en fait, ils n'ont pas votre niveau, les gars. La plupart du temps, les mecs contre qui vous jouez n'ont pas votre niveau. Et il ne faut pas projeter votre, votre niveau technique sur ces mecs-là. Ils ne savent pas quels sont les bons combos à 3 bêtes, ils ne savent pas quel range il faut ouvrir UTG, quel range il faut ouvrir au bouton, qu'est-ce qu'il faut défendre en Big Blind, etc. Donc arrêtez de projeter votre niveau technique et commencez en fait à identifier contre qui vous jouez, et est-ce que oui ou non vous pouvez supposer qu'il a des raisonnements techniques, supposer qu'il a des raisonnements assez similaires aux vôtres. Et enfin, le troisième leak que je retrouve vraiment beaucoup en micro limite. C'est la peur du ridicule. C'est-à-dire, en fait, on va éviter, on va se, se bloquer pour pas sortir des standards. Par exemple, on va euh, jamais check raise plus que x3 ou x4. On va jamais c'est bête euh, plus, que, plus que le pot. On va jamais c'est bête euh, autre chose qu'un tiers pot, même assez souvent. On va pas euh, call tel combo parce que c'est le pire combo à call, des choses comme ça. Et en fait, parce qu'on a peur du ridicule et de sortir des standards du jeu un peu GTO, GTO étant game theory Optimale, on va se limiter et en fait réduire notre, notre edge, notre avantage qu'on a, parce qu'on n'a pas envie d'avoir peur du ridicule. Et c'est assez dommage. Maintenant, on va voir un concept mais qui est mais fondamental pour bien jouer au poker, c'est l'identification du niveau de pensée de votre adversaire. Ça, vraiment, c'est le premier truc à faire et c'est ce qui va vous permettre à tous les coups de bien vous positionner en termes de pensée et de bien vous adapter au profil contre qui vous jouez. On va identifier quatre principaux niveaux de pensée. Le niveau zéro, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas, qui ne connaît même probablement pas les règles, et qui fait n'importe quoi. Dans l'idée, un niveau zéro de pensée, c'est comme si la personne contre qui vous jouez ne regarde même pas ses cartes, en fait. Vraiment, c'est quelqu'un qui ne comprend rien au jeu. Et il a le droit, on ne lui en veut pas, il a le droit de ne pas comprendre le jeu. Mais voilà, il faut bien comprendre, niveau zéro, il ne comprend rien au jeu niveau 1, euh, en fait, l'adversaire niveau 1, il va plus commencer à avoir tendance à comprendre un petit peu le jeu et à savoir un petit peu la force de sa main. Donc, il va être capable de se dire, bon, bah, j'ai une paire, c'est bien, j'ai un brelan, c'est très bien, j'ai une seconde paire, c'est pas trop mal, des choses comme ça. Donc, en fait, la question que se pose un joueur de niveau 1, c'est qu'est-ce que j'ai Donc, qu'est-ce que j'ai comme carte Qu'est-ce que j'ai comme combinaison avec euh, le board Et est-ce que c'est une bonne main Est-ce que c'est pas une bonne main Ça, c'est le niveau 1, le niveau assez basique et qu'on retrouve vraiment énormément en micro et en moyenne limite. Le niveau 2, c'est un petit peu plus élevé, c'est quand votre adversaire commence un petit peu à réfléchir et il va se poser la question, qu'est-ce que mon adversaire a Donc il va pas simplement regarder ses cartes, mais il va essayer de comprendre en fait ce que son adversaire a. Donc si vous jouez contre un, contre un mec de niveau 2, euh, lui, il va se dire, ok, bon, bah qu'est-ce qu'il a Il va essayer de comprendre un petit peu comment vous jouez. Et enfin le niveau 3 qui commence à être un, un profil a priori assez expérimenté, c'est quelqu'un qui va se poser la question qu'est-ce que mon adversaire pense que j'ai. Donc il va réfléchir à l'image perçue qu'il a, c'est-à-dire il va jouer d'une certaine manière et être capable de réfléchir à ce que vous vous pensez qu'il a. Donc un peu bon bah savoir je représente de la force ou je représente pas de la force, j'ai open UTG donc j'ai des mains fortes etc. Donc en fait, niveau 3, ça va être essayer de comprendre ce que son adversaire pense. Ça, c'est les quatre profils principaux. Le niveau 0, comprend rien. Le niveau 1, qu'est-ce que j'ai Le niveau 2, qu'est-ce que mon adversaire a Et le niveau 3, qu'est-ce que mon adversaire pense que j'ai Une fois que vous avez identifié à peu près, c'est assez facile, ça se voit assez rapidement avec quelques showdowns, avec quelques situations où vous avez vu un petit peu comment les adversaires à la table jouaient, vous allez pouvoir mettre dans des cases en fait. Euh, les adversaires et leur donner une étiquette niveau 0, niveau 1, niveau 2, niveau 3 ou encore au-delà et encore au-delà on va pas rentrer dans ces détails ici parce qu'après ça va rentrer dans des guerres de ce qu'on appelle de leveling où on va avoir un adversaire qui va se dire bon bah il pense que j'ai ça donc je vais faire ça mais peut-être qu'il pense qu'il pense que j'ai ça donc que je vais faire ça et en fait après on a des strats ça peut monter à l'infini hein, et l'idée quand on est un excellent joueur c'est vraiment d'être capable de, de se mettre au bon niveau de pensée donc là, ce qu'on va faire, c'est comprendre comment s'adapter contre ces différents profils. En fait, la règle, elle est super simple. Vous identifiez le profil adverse, vous identifiez son niveau de pensée, et vous, pour jouer de manière optimale et maximiser vos gains, vous vous placez juste un niveau au-dessus. Mais pas plus. Ça ne sert à rien de se placer deux niveaux au-dessus, trois niveaux au-dessus, etc. Vous vous placez strictement un niveau au-dessus. Donc, ça veut dire contre un niveau 0, vous allez jouer niveau 1. Contre un niveau 1, vous allez jouer niveau 2. Et contre un niveau 2, vous allez jouer niveau 3. Dans les faits, contre un niveau 0, en fait, vous jouez contre quelqu'un qui ne comprend rien au jeu. Il ne regarde même pas ses cartes, en fait. Il ne comprend vraiment rien à ce qu'il fait. Ses adversaires, ils sont, ils sont OK, ils sont imprévisibles, parce qu'ils bah, ne regardent pas leurs cartes. Mais en fait, ils sont assez faciles à battre, parce que vous, vous connaissez un petit peu les probabilités. Vous connaissez à peu près la force relative de votre main par rapport au board et par rapport à toutes les situations possibles à votre adversaire et vous êtes capable en fait de simplement situer la force de votre main et de jouer en fonction. Vous jouez contre un gars qui ne regarde même pas ses cartes dans l'absolu. Donc contentez-vous de jouer votre main. Réfléchissez pas au-delà. De toute façon, il réfléchit pas votre adversaire. Réfléchissez pas au-delà. Jouez, votre... jouez vos mains et ça va le faire. Contre un niveau 1, on va commencer à jouer contre un, nive... un adversaire qui joue ses cartes. Donc nous, on va se placer au niveau 2 et réfléchir à, bon bah il joue ses cartes, quelles sont ses cartes on peut assez facilement, contre ses profils, deviner ses mains. Euh, et ainsi, on peut évaluer, nous, la force de notre main par rapport à ce qu'on pense qu'il a, par rapport à ce qu'on pense que notre adversaire peut avoir dans une situation. Vous n'aurez vous aurez jamais raison à 100%. Mais par exemple, si vous misez au flop, vous misez à la turn, votre adversaire colle deux fois, a priori, il a une top paire ou une seconde paire. Il a, il a quelque chose. Ou un tirage suite, ou un tirage flush, s'il y a des tirages flush. Mais vous pouvez assez facilement. Devinez ce qu'il a, et vous, vous, vous situez simplement un niveau au-dessus, vous vous dites ok, bon bah qu'est-ce qu'il a. Et une fois que vous avez deviné à peu près ce qu'il a, bah vous estimez la force de votre main par rapport à ce que vous estimez ce qu'il a, et vous jouez comme ça. Pas besoin de réfléchir au-delà, pas besoin de réfléchir à ce qu'il pense que j'ai, à qu'est-ce que j'ai dans ma range, etc. Non, non, simplement qu'est-ce qu'il a. Donc moi, j'ai ma main, qu'est-ce que j'ai Bon bah, est-ce que c'est bien par rapport à ce qu'il a ou pas Et vous jouez en fonction. C'est aussi simple que ça. Et enfin, contre un niveau 2. C'est-à-dire contre un adversaire qui réfléchit à ce que nous, on a, bah on va se placer au niveau 3 et réfléchir à comprendre ce que nous, on représente. Si votre adversaire réfléchit à ce que vous, vous avez, vous, c'est important d'essayer de comprendre, et c'est là qu'on commence à rentrer dans du poker un peu plus intéressant, c'est important de comprendre qu'est-ce que votre adversaire pense que vous avez. Donc par exemple, ça va être intéressant, ça va être intéressant de jouer 7 et 8 suite et UTG, par exemple, une main assez faible et de miser euh, plusieurs fois s'il y a un as ou un roi au flop parce que votre range elle contient des mains très fortes votre adversaire réfléchit à ce que vous vous avez et s'il réfléchit à ce que vous vous avez vous vous pouvez vous dire ok bon bah là mon adversaire pense que j'ai des as pense que j'ai des mains fortes pense que vu que j'ai relancé j'ai que des mains fortes etc et vous allez pouvoir simplement exploiter votre adversaire en utilisant l'image perçue que vous avez donc là on commence à rentrer dans des raisonnements qui sont beaucoup plus construits mais ces raisonnements, il ne faut surtout pas les utiliser contre un niveau 0, et il ne faut surtout pas les utiliser contre un niveau 1. Donc ce qu'on va faire là, c'est que je vais vous donner quelques petits exemples in-game que j'ai joués, où contre un niveau 0, j'ai joué niveau 1, contre un niveau 1, j'ai joué niveau 2, et contre un niveau 2, j'ai joué niveau 3. C'est parti. Ok, donc on va commencer avec cette première main où on joue contre un adversaire qu'on a identifié comme étant niveau 0. Donc, on peut dire qu'il ne comprend rien à ce qu'il fait et qu'il ne regarde pas ses cartes. Donc, en fait, vous allez jouer le coup comme s'il ne regardait pas ses cartes. Ici, Roi 9, au bouton, on a une très bonne main. On la joue, il n'y a pas de souci. Ici, il n'y a rien à dire. Et notre adversaire, donc, qui est au niveau 0, on a identifié. Il y a eu quelques mains avant et on a identifié qu'il était au niveau 0. Donc, nous, on sait qu'on va jouer au niveau 1. Ici, sur a suite 4 on n'a pas une main super forte. Donc, simplement, on va pouvoir checker ou pouvoir miser. Les, les deux peuvent se tenir. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de miser parce que par rapport à la force de ma main, une hauteur roi, bah, c'est plutôt fort en fait. Une hauteur roi, ça bat les hauteurs dames, ça bat les hauteurs Valet, ça bat les hauteurs 10, ça bat les hauteurs 9. Statistiquement, ici, si on si ne on regarde pas les cartes, il y a des chances que je sois devant. Si tous les deux, enfin, si lui ne regarde pas ses cartes, et que moi, je suis dans cette situation, je suis très souvent euh, avec la meilleure main ici avec ma hauteur roi. Quand il me suit ici, ça ne veut absolument rien dire. Il a encore toutes les mains possibles. Et il euh, n'y a pas de souci. Là, ce que j'ai fait sur cet as, c'est que je vais décider de checker. Parce que vu qu'il ne regarde pas ses cartes et qu'il est au niveau 0, il y a fort moyen qu'il fasse n'importe quoi à la river et que je puisse, bien que j'ai hauteur roi, suivre tranquillement. Donc voilà, ici je décide de checker tranquillement. Et là, bah, ce qui était prévu se réalise. Il mise pot. Alors ici, on peut se dire, bon bah il a souvent un as, il représente de la force, il peut avoir un 8, il peut avoir une paire de 9, une paire de 10, etc. Oui, je suis d'accord. Sauf qu'on ne va pas réfléchir à ce que notre adversaire a. On va réfléchir à ce que nous, on a. On est au niveau 1. Ici, j'ai hauteur Roi. Je suis battu par une paire de 2, une paire de 4, une paire de 8, quelques pockets, par un As. Mais il y a quand même peu de chances qu'il ait un As. Bah, ici, hauteur Roi, c'est super fort. Il a encore euh, toutes les mains random. Les hauteurs dames, les hauteurs Valet, les hauteurs 10, les hauteurs 9, les hauteurs 7, les hauteurs 8. Tout ça. Donc en fait, moi, ma main, foncièrement, elle est très bonne ici. Et hauteur Roi, c'est largement suffisant pour suivre contre un niveau 0. Donc, ici, j'ai décidé de payer et il nous montre Dame 5 Suité. Voilà, donc typiquement une main qui n'a absolument rien à faire là. Exemple suivant, euh, dans, un, dans un trident, où là, on a joué quelques mains contre ce profil. Au début, de base, on va jouer très passivement, attendre un petit peu d'identifier les niveaux de pensée. Et une fois qu'on a identifié le niveau de pensée, on enclenche. Ici, je sais que c'est un adversaire vraiment complètement malade mental. Et donc, ce que je vais faire, c'est que. Avec une paire de neuf qui est une main super forte, je vais jouer la force de ma main. Et au lieu de faire ce que le standard, de faire ce que la théorie dit de miser deux blindes ici, ou d'open 2,5 ou 2,2, en fait, contre un adversaire qui ne comprend rien à ce qu'il fait et qui fait vraiment n'importe quoi, n'hésitez pas à sortir des standards. Et ici, par exemple, à faire un tapis directement. Parce que vous allez être payé par tout et n'importe quoi. Et paire de neuf, vous jouez au niveau 1, c'est vraiment largement fort contre tout et n'importe quoi. Et ici, bon bah là. La preuve, il suit avec 6 et 2, donc vraiment, si on avait juste misé 2 blindes, il aurait suivi, flop, on aurait été un peu emmerdé, machin, non, vous, en, vous embêtez pas, vous jouez contre un adversaire qui fait n'importe quoi, faites tapis directement avec vos mains fortes, ici, bon, bah, pas 150 blindes, évidemment, mais là, 20 blindes, c'est largement suffisant pour faire tapis directement. Et genre, deux mains après, non, quelques mains après, c'est le même raisonnement, là, j'ai 30 blindes, bah, au lieu de juste suivre et de jouer passivement la main, je sais que le profil adverse est complètement malade, bah, je vais faire encore une fois tapis directement. Et voilà, il me suit encore avec une main complètement poubelle. Et à force, alors peut-être qu'il va toucher un 3 et que je vais être éliminé, mais sur le long terme, vous allez largement être gagnant à prendre ces situations avec des mains suffisamment fortes. Considérez que votre adversaire ne regarde même pas ses cartes et jouez en fonction. Maintenant, un petit peu plus intéressant, on va se positionner contre un adversaire de niveau... Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer au niveau 2. Donc, qu'est-ce que mon adversaire peut avoir Ici, j'ai une main qui est tout à fait jouable, je la joue en small blind, j'ai un 9. Je décide de checker pour prendre un petit peu d'information sur, sur, sur le profil. Je ne le connais pas encore super bien, mais je peux supposer dans un kill the fish que ce soit quelqu'un qui joue au niveau 1. La plupart du temps, on joue contre des adversaires qui jouent au niveau 1. Donc, ne faut pas hésiter à partir de ce postulat. Peut-être que vous jouez contre le meilleur joueur du monde. Hein. Mais dans l'ensemble, vous aurez raison de penser que vous jouez contre un adversaire de niveau 1 dans un kill the fish à 1€ euro ou 2€. Euros, quoi. Ici, il check. Quand il check, je m'attends à ce qu'il ait absolument rien parce qu'un adversaire de niveau 1 qui a quelque chose, un 10, un 9 ou un 3, ou même 2 cœurs, il va toujours miser. Donc, sachant, sachant ça, je pense qu'ici, il a jamais valet d'âme, jamais c'était 8, parce qu'il l'aurait toujours misé en se disant, bon, bah, je joue les suites 8 trop bien, jamais 2 cœurs, et jamais de 10, jamais de 9, jamais de 3. Okay on réfléchit à ce que notre adversaire a Parce que lui il est au niveau 1 Donc nous on se met au niveau 2 Sur la doublette du 9 Ici mon adversaire J'ai réfléchi à ce qu'il a A priori il a rien Cependant il n'a pas de cœur Il peut avoir un seul cœur Il n'aurait pas nécessairement misé un seul cœur au flop Il peut avoir, euh, il peut avoir une autorace de temps en temps Ce genre de main Donc ici je suis un petit peu obligé de miser Je peux miser assez cher Parce que je sais qu'il va me suivre avec tous ses cœurs Probablement toutes ses hauteurs, donc il n'y a pas de souci ici. Il me suit. Ici, quand il me suit, <coughs> il peut avoir un 7 de temps en temps, une main comme 6 et 7, par exemple. Euh, je ne m'attends pas trop à ce qu'il ait une paire de 7 dans la main, donc un, un full ici, parce qu'il bah, n'a il a pas misé au flop. Donc ici, c'est assez compliqué, puisqu'a priori, il n'a rien. Maintenant, de temps en temps, euh, on peut penser qu'on euh, qu va quand même value sur une hauteur as, sur un cœur random, ou sur des trucs comme ça. Donc, si je décide de miser assez cher, ce c'est pas, pas une question de pour représenter un bluff, me polariser ou quoi. En fait, ici, je mise cher parce que euh, je pense qu'une autre race, il call, euh, il call ce sizing. Donc, euh, à partir de là, je, je peux miser ici. Et là, il me relance. Et en fait, quand un adversaire joue ses cartes, donc il joue simplement ses cartes, il vous relance, c'est toujours en value. Toujours en value. Il ne va pas vous relancer en bluff alors qu'il joue ses cartes. Ça n'a pas de sens. Si vous avez une mauvaise main et que vous pensez simplement à la force de votre main, vous ne faites pas un, une relance d'une mise à la rivière. Si vous relancez en, en étant au niveau 1, c'est que vous avez une bonne main. Donc moi ici, sachant ça, je sais qu'il joue au niveau 1, en tout cas je. J'ai 95% de chance d'avoir raison en partant du postulat qu'il joue au niveau 1. Et il me relance, donc il a une main très forte. Ici, je suis battu vraiment par très peu de choses, et je sais qu'il a une main très forte. Alors, je vais souvent voir des joueurs qui vont faire par exemple une relance à 25. Ici, une relance standard, ce serait de relancer à 25 avec notre full pour value sur une couleur ou sur des choses comme ça. En fait, vous avez le read que votre adversaire a quelque chose. Franchement, je ne sais pas trop ce qu'il a pour jouer comme ça. On va, on va le voir après. Je ne sais pas trop ce qu'il a, mais je sais qu'il a quelque chose de fort. Sinon, il ne vous relancerait pas. Donc de la même manière qu'il faut toujours se coucher quand on vous raise à la river avec une main moyenne, bah quand vous avez une main forte, très forte, les nuts. Et qu'on vous relance à la rivière, n'hésitez pas à tout mettre. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est sortir des standards et prendre le maximum de value possible en faisant directement tapis contre un profil, contre qui Vous, vous savez en fait, vous savez qu'il a quelque chose. Donc si on fait tapis et il nous suit, 8 et 6. Donc il avait touché, voilà, il avait touché sa, sa suite à la rivière. Il vous a suivi à la turn avec son tirage et il a été infoutu de lâcher sa suite. Ici un très bon joueur évidemment 8 et 6. Euh, sur votre ligne, il va évidemment se coucher. Vous avez trop de couleurs, vous avez trop de foule, c'est évident. Mais vous jouez pas contre un bon joueur. Vous jouez contre un mec qui joue ses cartes, alors n'hésitez pas à tout mettre et à prendre max value ici. Et c'est ce qu'on a fait et on lui a absolument tout pris. Donc on sort des standards, on n'a pas peur d'être ridicule en faisant des plays non conventionnels et on prend maximum de value. Pareil ici, c'est un spot assez intéressant, c'est un petit peu tricky, c'est pas le meilleur exemple, mais je l'ai trouvé quand même assez intéressant. Ici, c'est contre le joueur Nino qui joue aussi au niveau 1 de pensée. Donc nous, on va simplement se jouer au niveau 2. Qu'est-ce que mon adversaire a C'est ça qu'on va se dire. Qu'est-ce que mon adversaire a Ici, quand il me suit juste, sachant qu'il joue la force de sa main, je pense qu'il va me relancer avec des mains assez fortes. Ici, c'est simple, sa range, ça va être des petites paires. Ça va être des petits as suités. Et ça va être quelques connecteurs suités et quelques Broadway suités ou off. Donc on connaît déjà à peu près sa range ici. Donc bah nous, contre cette range ici, on a tout intérêt à le laisser miser. Parce qu'en fait, ici, s'il a une petite paire, il va toujours miser. S'il a un Broadway et qu'on mise, il va se coucher. En revanche, il va potentiellement miser de lui-même. Donc ici, ce qu'on va faire simplement, c'est checker et prendre un petit peu d'informations contre ce profil et voir ce qu'il fait. Ici, quand il mise 2,5, c'est un tout petit peu cher. Donc là, on est presque sûr qu'il a une paire. On est presque sûr, d'autant plus quand il nous call préflop simplement comme ça. On le met très souvent sur des petites paires, de pocket 2 à pocket 8, peut-être, peut-être pocket 9, de temps en temps, même si je pense qu'il va la 3 bêtes. Donc ici, c'est assez sûr, assez clair qu'il a une petite paire. Ou peut-être 7 et 8. Mais 7 et 8, dans tous les cas, il ne va pas lâcher. Donc nous, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relancer directement. Parce qu'il n'abandonnera jamais une petite paire ici. Notre adversaire joue la force de sa main. Ne pense pas à ce que nous on a. Ici, tu... si on se positionnait vraiment euh, au vrai jeu de poker, au vrai haut niveau technique. Là, quand on le check raise, euh, on a des mains très fortes. On a paire d'as, on a paire de roi, on a paire de dames dans notre range. Euh, la plupart du temps, les mains qui n'ont rien, les, les rois dames, les rois valets, on aurait ces bêtes. Donc ici, quand on check raise après avoir ces bêtes ce board, on représente une force énorme. Mais on s'en fout de ça. On joue contre un adversaire niveau 1. Donc on joue niveau 2. Et on réfléchit simplement à ce qu'il a. Là, on pense très fortement qu'il a une petite paire. Il peut avoir paire de 4. Bravo à lui. S'il l'a, il peut avoir paire de 6. Et il peut avoir paire de 7. Le 7 est un peu emmerdant ici. Cependant, il a encore paire de 2, paire de 3, paire de 5, paire de 8, et peut-être paire de 9. Donc si moi je vais continuer à miser contre ses, contre ses mains, puisque paire de 2 va probablement pas abandonner, paire de 3 non plus, paire de 5 va jamais abandonner, paire de 8 pareil. Donc si je continue à miser tranquillement, et là As River. Bah en réalité, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est une blanque, c'est-à-dire une carte qui change absolument rien. Il a aucun As, nous on est au niveau 2. On réfléchit à ce qu'il a dans sa range. Dans sa range ici, vu qu'il joue niveau 1, c'est-à-dire niveau de pensée, qu'est-ce que j'ai Il aurait très probablement abandonné un As au flop ou à la turn. Il peut avoir As4 suité de temps en temps, As7 suité de temps en temps, des mains comme ça, ok Mais il a encore aussi beaucoup d'autres mains que vous battez. Donc ici, moi, ce que j'ai décidé de faire, sachant à peu près la range qu'il avait, c'est de risquer 20 blindes pour en gagner beaucoup plus, parce qu'il va me suivre avec plein de mains beaucoup moins fortes, et les fois où il me suit avec mieux, bah, GG à lui. Mais il y a vraiment beaucoup de fois où il va me suivre ici avec paire de 2. Paire de 3, paire de 5, paire de 8, même potentiellement une main comme, euh, comme paire de 9, mais je pense vraiment qu'il va vale la 3 bêtes, mais il peut encore avoir paire de 9. Donc ici, il bah, ne faut pas hésiter, prendre le max value contre les niveaux 1, et voilà, réfléchir à, ce que votre, à votre adversaire. Ici, il avait une paire de 5, c'est nickel. On a fait max value et il n'y a pas à avoir peur de l'as parce que nous, on réfléchit à ce qu'il a. Et ce qu'il a, bah, il n'a pas d'as. Voilà, fin. Donc on fait notre value comme ça. Main suivante ici, paire de 6. Qu'est-ce que notre adversaire a Encore une fois, on joue contre un niveau zé, euh, un niveau 1, on se place au niveau 2. Quand les joueurs ouvrent à 4 blindes, très souvent, c'est des mains très fortes. Nous, avec une petite paire, ce qu'on va chercher à faire, c'est toucher des brelans pour tout prendre à quelqu'un si on touche notre brelan. Parce que quand on va toucher notre brelan, il faut qu'on équilibre les 7 fois sur 8 où on ne va pas toucher notre brelan et juste perdre le coup. Là, c'est un bon spot parce qu'il ouvre très cher, 4 blindes on le met directement sur As-Roi, As-Dame, Roi-Dame suité, paire d'As, paire de Roi, paire de Dame, potentiellement paire de Valet, et des fois paire de 10. Donc, dans l'idée, ici, si on touche notre brelan, bah, on est max. Donc, il ne faut pas hésiter à défendre. Tac. On check, on touche notre brelan, magnifique. Alors, les fois où on ne va pas le toucher, on va juste abandonner, hein, ce n'est pas grave. Mais pour bien vous montrer que les fois où vous allez le toucher, c'est vraiment rentable d'identifier en fait qu'est-ce qu'il a dans sa range, qu'est-ce qu'il a quand il open 4x ici, il joue pas au niveau 0, donc il va pas open 4x 8-4 off, off ce profil. Contre un niveau 0, peut-être qu'il open 8-4 off et que là, le raisonnement est différent. Là, le raisonnement, c'est c'est un mec qui joue au niveau 1. Il joue, il joue la force de sa main. Nous, on a une main à fort potentiel. Et ici, bah, notre read est assez vérifié quand il fait un overbet sur ce flop. Si c'était un excellent joueur, il a des bluffs. Hein. Il, a, il a pas mal de bluffs ici. Mais contre, contre ce type de profil-là, on sait qu'il a une main très forte. Et les profils de niveau 1 avec des mains très fortes. Sont infoutus de lâcher leurs mains. Ils vont jamais lâcher une paire d'As. Jamais lâcher une paire de Rois, quelle que soit la situation. Jamais. Ils vont suivre toutes vos mises, même s'il y a 5 carreaux sur le board et qu'il a. Même s'il y a 4 carreaux sur le board et qu'il n'a pas de carreaux. Ils vont tout suivre à l'infini parce qu'ils jouent la force de leur main. Donc ici, il ne faut pas hésiter. On fait tapis directement. On sait qu'il a une main très forte. Ou as dame Même As-Roi, il ne va pas lâcher. Ou pocket 3, pocket As. S'il a pocket Dame, bah bravo. Ce sera un setup, c'est pas grave. Il a paire de Rois. Et on a fait max value ici avec notre paire de vis. Donc voilà, petite main intéressante où, encore une fois, il ne faut pas prêter des raisonnements trop complexes. Il open 4x, il joue niveau 1, il a une main forte, je vais jouer mon équité, et si je touche, je prends max value. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Ici, beaucoup plus intéressant évidemment, moi je, je suis le premier à vous dire les niveaux 0, 1, c'est assez chiant à jouer. Là, on va jouer contre un adversaire de niveau 2. Donc un, ad un adversaire de niveau 2 qui comprend le jeu et qui va nous mettre sur une range, qui va réfléchir à ce qu'on a. Il peut aussi potentiellement jouer niveau 3, bien sûr, sauf que dans cette situation, je pense qu'il va plutôt réfléchir à ce que nous, on a. Donc ici, avec une paire de valets, je vais limper, parce que quand je limpe, j'ai tout dans ma range. Ici, j'ai vraiment beaucoup de choses que je vais limper. Il va peut-être s'attendre à ce que j'open des mains fortes, parce qu'il faut bien comprendre, oui, ça c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, lui, il nous connaît pas. Donc s'il nous connaît pas, et que c'est un très bon joueur, il va partir du principe qu'on joue au niveau 1. C'est toujours comme ça. Il partira du principe qu'on joue au niveau 1. Donc il va jouer au niveau 2. Et il va réfléchir à ce qu'on a. À ce que nous, on a. Donc sachant ça, nous on va se placer un niveau au-dessus, du niveau 2. Et se placer au niveau 3. À réfléchir à ce qu'il pense qu'on a. Donc ici, avec une paire de valets. On va checker. Ici, on va s'ébêter comme on l'aurait fait avec absolument toute notre range. Donc là, pour l'instant, lui, il se dit, bon bah, il a tout et n'importe quoi. Lui, il se place au niveau 2. Il joue contre un adversaire potentiellement niveau 1. Et il a raison de le faire. Et. On a potentiellement tout et n'importe quoi. Moi, sachant ça, j'ai envie euh, de lui montrer que je suis vraiment au niveau 1. Hein. Donc, j'ai envie qu'il pense que j'ai absolument rien. Donc, là, j'ai limpé, comme je l'aurais fait avec beaucoup de mains. J'ai misé une bébé, comme je l'aurais fait avec beaucoup de mains. Et là, je vais checker. Parce que là, en fait, il va se dire bon, bah, mon adversaire joue la force de sa main. S'il check sur ce roi de carreau, il y a un flush draw qui fait pas mal peur. Euh, la plupart des, des profils ici auraient continué à miser un valet, continué à miser un roi, continué à miser un brelan, toutes ces choses-là. Moi ici je check parce que vu que lui il est au niveau 2, pense qu'on est au niveau 1, je me place au niveau 3, un peu compliqué, mais vous, vous voyez le truc. Et je m'adapte en fait pour qu'il pense pouvoir m'exploiter parce qu'il pense que j'ai quelque chose. Il pense que j'ai quelque chose, en fait il pense que j'ai rien du coup, parce que quand je check ce roi, pour lui j'ai rien. Donc ici, je vais continuer ma strat. Je vais juste suivre, comme si j'avais un 2 carreau qui veut payer, ou, ou un 8 et 9 qui est qui un peu calling ou des choses comme ça. Et là, sur ce 8... Qui change finalement pas grand chose parce que 9 et 10 j'aurais peut-être continué à le miser, mais c'est pas dit. Bah ici je vais continuer de checker et le laisser faire une erreur. Lui, il joue au niveau 1. Il joue au niveau 2, pardon, parce qu'il pense qu'on est au niveau 1. Là, il se dit, bon bah mon adversaire a probablement rien. Donc ici je peux bluffer et lui faire folder à peu près tout. Et c'est ce qu'il fait. Nous on snap call ici avec notre paire de valet. Et il a 4 et 5. C'est typiquement une enfin, c'est très très bien joué de sa part. Contre un profil niveau 1. Ici, ça va accomplir vraiment beaucoup de choses. Sauf que manque de peau, on s'est placé au niveau 3 parce qu'on sait que c'est un bon joueur qui joue au niveau 2. Donc voilà comment est-ce qu'on peut s'adapter. Ici, contre un profil niveau 0, ben j'aurais fait tapis directement. Contre un profil niveau 1, j'aurais misé 3 blindes. Contre un profil plus, à, plus élevé, je vais limper et jouer différemment le coup. C'est intéressant de voir comment est-ce que vous pouvez adapter votre jeu. Et enfin, pareil ici, contre un profil niveau 2. <coughs> enfin. Qui se place au niveau 2 parce qu'il part du principe qu'on joue au niveau 1. C'est ça qu'il faut penser. Lui, il est probablement meilleur que moi, J Jadoman. Il va probablement être capable d'aller au niveau 4, 5 ou que sais-je. Mais de base, il va partir du principe, très probablement, que nous, on joue au niveau 1. Donc, il va jouer au niveau 2. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est évidemment checker. Il mise, on suit avec notre dame. Je ne vais pas expliquer le coup en détail. Ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu ce qu'on fait à la river. Là, il check. Et quand il check ici et que moi, je recheck, je représente vraiment beaucoup de faiblesses vraiment énormément de faiblesses. Alors que si je mise, étant un adversaire théoriquement de niveau 1, lui il va se mettre au niveau 2 et se dire bon bah il mise, il peut avoir un neuf, il peut avoir la, les carreaux, il peut avoir un valet, il peut avoir une dame, et il va abandonner beaucoup de mains s'il se place au niveau 2. Donc moi ici je décide de checker pour ce qui pour qu'il pense que j'ai ni un valet, ni une dame, ni une paire de. ni un œuf quoi. Et le laisser en fait miser. Et ici je check évidemment pour suivre directement. Je me place euh, simplement Tac, en estimant que lui, il va essayer de nous mettre de la pression. Et effectivement, il a 7 et 8. Ici, si j'avais misé, il ne il serait pas amusé à Raise. Hein. Il aurait simplement couché, puisqu'il se dit qu'il est niveau 1, il a tous les jours une dame. Et quand je mise pas, c'est ça qui est intéressant, quand je mise pas, bah j'ai jamais une dame en fait. Si je suis au niveau 1. Si j'étais. Un si, enfin, niveau 1 ici, une dame, il va toujours la miser. Et ici, je la mise pas. Et c'est ça qui est intéressant, parce que du coup, votre adversaire qui vous met sur un niveau 1 va penser que vous n'avez jamais une dame, jamais un valet, jamais un neuf, Et il ne va pas hésiter à bluffer ici. Ici, contre un profil, encore une fois, c'est assez différent. Contre un profil niveau 0, j'aurais misé super cher à la rivière, puisqu'il va me suivre avec des moments éclatées. Si j'étais contre un profil niveau 1 qui joue la force de sa main, je vais miser aussi à la rivière pour qu'un valet me suive, pour qu'un 5 me suive, pour qu'une pocket 10 me suive, toutes ces choses-là. Là, contre ce profil, qui va jouer niveau 2 contre nous, parce qu'il pense qu'on est niveau 1, je vais juste checker et le laisser faire son bluff. Donc voilà, vous avez un petit peu pu voir. Euh... Contre des niveaux 0, contre des niveaux 1, contre des niveaux 2, comment est-ce qu'on peut adapter notre manière de jouer Voilà, donc vous avez bien vu avec les différents exemples, comment est-ce qu'on peut adapter notre jeu et jouer différemment contre les différents types de profils qu'on rencontre, s'adapter et maximiser largement notre avantage sur tables. Donc si on récapitule, contre un niveau 0, c'est-à-dire quelqu'un qui, ne... comme si penser un niveau 0, ne regarde même pas ses cartes en fait, jouez niveau 1, donc jouez vos cartes. Contre un niveau 1, donc quelqu'un qui joue simplement la force de sa main, vous. Essayez de deviner ce qu'il a. Donc placez-vous au niveau 2. Et enfin contre un niveau 2, et eh ben vous, vous allez simplement vous placer au niveau 3. Et si vous jouez contre un adversaire qui est au-dessus ce niveau 3 ou plus, qui est au niveau 3 ou au-dessus du niveau 3 pardon, et eh ben soit on peut estimer qu'on peut batailler techniquement contre cet adversaire, jouer un petit peu plus proche du jeu optimal et essayer de s'adapter et d'exploiter les quelques lits qu'on est capable de voir. Ça c'est possible. Si vous êtes contre un adversaire qui a à peu près votre niveau, c'est pas déconnant de Jouer techniquement solide et de se rapprocher de la théorie. Et si vous jouez contre un adversaire vraiment bien meilleur que vous, où vous pouvez rien faire, il est juste beaucoup trop fort, vous jouez contre Chidwick, il est trop fort, bah je suis désolé de vous dire, mais la, la solution pour maximiser vos gains avant d'avoir le niveau de Chidwick, Chidwick, pour ceux qui connaissent pas, c'est un des plus grands joueurs de poker de tous les temps, bah en fait, la solution, c'est de se placer au niveau 1, un peu comme un fiche, et de jouer la force de vos mains. Parce que votre adversaire en fait il va, il va faire des raisonnements peut-être trop poussés, bon Shidwick qui va. Si vous jouez niveau 1, il va juste se placer niveau 2. Mais de temps en temps, si votre adversaire vous donne un petit peu de crédit, vous il vous suffit juste de vous placer au niveau 1, de jouer vos mains, et vous pourrez batailler contre des joueurs qui sont meilleurs. Ils seront toujours meilleurs techniquement, mais c'est probablement la solution qui vous fera le moins perdre. Essayez pas de leur mettre des raisonnements super compliqués, vous n'allez pas y arriver, essayez pas d'estimer de, ok, qu'est-ce qu'il pense que j'ai, est-ce qu'ils pense que j'ai une image bluffée donc il va me faire ça, machin. Arrêtez de réfléchir, jouez niveau 1, vos cartes, il est trop fort, vous n'allez rien pouvoir faire, et c'est tout. Donc voilà, c'est à peu près tout. On a les quatre solutions, les niveaux à identifier, et comment est-ce qu'on se situe par rapport au niveau qu'on a identifié. Jamais se situer plus que strictement un niveau au-dessus du niveau contre qui on joue. C'est primordial et je vous assure que ça va vraiment faire exploser vos gains et vraiment vous faire gagner dans les micro-limites. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que vous avez un petit peu compris l'importance d'identifier le niveau de pensée et l'importance, nous, de nous adapter contre ce niveau de pensée pour éviter de faire des raisonnements contre-productifs qui vont, un, nous frustrer et deux, utiliser de l'espace mental qu'il est complètement inutile d'utiliser. Concentrez-vous plutôt sur d'autres aspects de votre jeu, concentrez-vous sur peut-être jouer plus de tables, peut-être euh, jouer mieux, etc. Mais vous embêtez pas à faire des raisonnements super complexes contre des joueurs qui ne comprennent absolument.. A voilà. la prochaine, Nigga. Breaks, Ciao. feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stop, never changed all the squad yeah. here to play, yeah. and I've got something yeah. to say. yeah I work hard each and every day. I get lost in the words I say.